Yo les gars, c'est Darking, donc nous sommes sur le Gamma, donc nous sommes aussi sur Palladium, donc j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Donc comme je l'ai dit, nous sommes sur le Gamma pour vous présenter un spawn que j'ai trouvé, enfin que j'ai trouvé, en fait c'est caché dans le spawn du Gamma, donc de Palladium. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a un spawn ici, mais quand je suis allé dans le spawn ou quand j'y vais des fois, il n'y a vraiment personne, donc je sais vraiment pas si c'est... vraiment bien caché, s'il y a des gens qui ont présenté ça en vidéo. Mais bon, bah je sais pas, en tout cas moi ça m'a bien amusé quand j'ai vu le spawn. Aussi, comme vous avez pu remarquer les gars, je ne suis pas en facecam, je suis désolé, je peux pas être en facecam là. Donc voilà, donc les gars, je suis pas en facecam, donc je suis vraiment désolé. Donc du coup voilà, donc nous sommes là dans le spawn de Gamma, donc du Gamma. Donc tout le monde le connaît, hein, nous sommes pas dans le spawn mystérieux que les administrateurs ont caché. Donc ouais, je pense que c'est les administrateurs qui ont caché ça ou les supermodos, je ne sais pas. Mais vas-y, on ne sait pas, donc les gars, essayez de deviner où est le truc caché. Donc on va se mettre où? On va se mettre ici et essayer de deviner où est le truc caché. Vous avez 5 secondes MDR. Voilà, c'est bon, j'espère que vous avez trouvé. Et la réponse était à droite. Donc là-bas, donc en fait, vous regardez, vous allez là-dedans. Et j'ai trouvé ça par hasard, c'est vraiment énorme. J'ai trouvé ça par hasard, donc là, vous allez rentrer dedans. Et puis voilà, ça va vous téléporter quelque part. Et puis voilà, donc là, regardez, je suis dans le spawn mystérieux. C'est vraiment bizarre, donc attendez. Ceux qui changent les blocs seront slash ban. Donc à ce qui paraît, on peut slash ban. Ils peuvent slash ban parce qu'on peut changer les blocs, pardon. On peut slash ban, non, on peut changer les blocs. Donc c'est où? Ok, et en F3, nous sommes à 1909-2. J'ai envie de savoir, attendez, j'ai envie de savoir. Au spawn, on est à combien? Au spawn, on est à 54-295. 54-295. Et là, nous sommes à 1909-2. Ok. Ok, donc c'est plutôt bueno ça. Ok, donc là, est-ce que l'under chest, on a encore nos trucs? Ouais, on a nos trucs. Donc je pense pas que ce soit un monde. C'est le monde normal. C'est juste bizarre. Au-dessus, il y a. Ok, au-dessus, il y a des trucs. Il y a de l'obsidienne, j'aimerais bien savoir ce que c'est, mais bon, vas-y, on va voir, on pourra pas voir de toute manière car on va pas aller en haut. Donc attendez, Kura sous l'océan. Tu vas aller sous l'océan. Ok, donc ok, ça nous emmène dans l'océan comme si on allait dans le spawn de Gamma. Peut-être que ça aurait pu nous emmener autre part. Qu'on va retourner dans le spawn. Tac. Ah bah ok, il y a quelqu'un qui y va. Slash spawn. Il y a quelqu'un qui y va. Génial. Bon, au moins je suis pas le seul à y aller. Pardon. À y aller, pardon, ouais. Du coup, on va voir ce qu'il y a. Donc c'est vraiment bizarre. C'est un spawn, on dirait des enfers. C'est un peu. On dirait un spawn enfer. Je sais pas si vous captez, mais. Pile ou face. Ah, mon frère m'a parlé de toi, mais a-t-il parlé de mon travail? Non, comment ça? Je vais t'expliquer, si tu me donnes 2 palladium, tu as une chance sur 2 de récupérer un bout du portail. Bonne chance. Ok, non. Donc ici, c'est pour... ok. Vraiment, c'est vraiment bizarre comme spawn, les gars. Je vais essayer de voir si c'est pareil. Je pense qu'ils ont fait pareil que le vrai spawn, quoi. Donc on va juste prendre un petit screen parce que c'est vraiment bizarre. Tac. Du coup, ouais. Quand tu vas par là, il y a le petit jump. Enfin, c'est pas un jump, c'est les slime pads. Mais j'ai envie de voir. Est-ce que ça nous met un truc quand on va slash. Quand on va slash spawn. Attendez, quand on va slash spawn. Pardon. Tac. Est-ce que ça nous met un petit truc du style. Je suis à vous. Merci. Tac. On va dedans. Ah, téléportation vers fake spawn. Ok, donc c'est un fake spawn. Ok, c'est plutôt cool. Donc c'est plutôt cool, c'est vraiment bizarre par contre, mais c'est vraiment cool. Alors, du coup, donc là il y a les enclumes. J'ai l'impression que ça fait spawn Halloween. J'ai pas pour vous si ça fait spawn Halloween, les gars. Ok, j'ai cru que j'allais te coincer. Parce que là il y a les toiles d'araignée, ça me fait vraiment penser à un spawn Halloween. Ok, donc là, oh the fuck, on a des blocs bizarres ici. What the fuck? Putain, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, je sais pas, ça. C'est très étrange comme spawn. Mais ça va, c'est plutôt cool parce que. What the fuck? Regardez tout ça! C'est mon pack, attendez, mais j'ai pas de pack. J'ai pas de pack. Bah si, j'ai le Palladium pack. Mais. What the fuck? C'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui fait ça? Attendez, on peut ouvrir ou pas? Non, on peut pas aller dedans. Eh, c'est vraiment bizarre comme spawn, les gars. Là, on a un grand arbre, ok. On va essayer de visiter un peu tout ce qu'il peut avoir dans ce spawn. Mais vraiment, ce spawn est très étrange. Et très mystérieux. Je sais pas si dans les autres serveurs Delta ou Sigma, il y a des spawns comme ça.
Il y a des spawns cachés. Mais j'ai trouvé ça vraiment par hasard. Hein. C'est vraiment pas moi qui l'ai trouvé, qui me l'a dit. Que quelqu'un me l'a dit, pardon. J'ai trouvé ça vraiment par hasard. Comme par hasard. Oh. What the fuck? The fuck? Les gars, on est dans le shop. On est dans le shop bah, du gamma, mais. Putain, mais c'est trop bien, attendez. Mais c'est énorme, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf, les gars. C'est vachement beau. Très beau. Bon. Ouais, c'est très beau. Enfin, c'est pas très beau, c'est juste que c'est ça fait peur en fait. Ça fait style Halloween. C'est quoi comme bloc? Je sais pas si on peut voir si. Si des blocs. Attendez, on va faire. Oh. C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça peut être. En tout cas, c'est vite fait cassable. Donc, on va aller au spawn. Et si on fait slash warp fake spawn? Non, ça veut pas. Et si on retourne au spawn? Oh, ok, donc ok, ça nous ramène là. D'accord, donc tac. Donc, on va voir. On va encore faire un tout petit peu le tour du spawn. Et peut-être qu'attendez là où il y a le bug. Donc, c'est ici. C'est ici, normalement, quel bug, ouais. Oh non, c'est là, c'est là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Non, il n'y a rien ici? Non, il pourrait peut-être avoir des choses. Mais non, il n'y a rien, c'est dommage. On va essayer de voir dedans s'il n'y a pas des trucs. Là-dedans, ils auraient pu faire tellement un black market. Mais un truc de ouf, les gars. Ça aurait été tellement bien de faire un black market dedans. Et mettre, tu vois, de mettre des choses pas trop cheatées, mais quand même un peu. Des ressources assez bonnes. De type. Bah, de type P4, Palladium. Car bah, il faut le trouver quand même le spawn. Je trouve que franchement c'est galère de le trouver. Moi je l'ai trouvé comme par hasard, mais c'est galère. Si quelqu'un veut le trouver, bonne chance. Bon, je l'ai dévoilé en vidéo parce que de toute façon c'est la reset de Palladium V5, mais franchement voilà. What the fuck? Fuse, on veut un salto arrière pour tous tes épisodes. D'accord. D'accord, bon génial. Fuse, on veut un salto arrière pour tous tes épisodes. Et là du coup je suis bloqué. Non, c'est bon. Je te fais un don avec sûrement de l'indium. Ok. Alors, du coup, c'est moi bon, c'est répondu. Ici, c'est quoi? Oh, ok, c'est ici, c'est la salle des grinders. Donc, comme dans Gamma, ok, donc ils ont pas changé le sol. C'est vraiment cool. Hop, on va retourner. Par contre, ce qui est chiant, c'est quoi? Je vais peut-être mettre un petit setum fake. Ouais, j'ai mis un fake, un setum fake. Comme ça va m'éviter de faire sagepoint et revenir ici. Je le prépare, d'accord. Alors, du coup, ici, ouais, non, il n'y a rien, il n'y a que dalle ici. Ouais, vraiment, c'est dommage qu'ils aient pas mis un black market. Peut-être qu'ils en ont mis un, peut-être, les gars, peut-être qu'ils en ont mis un que je le trouve pas. C'est peut-être possible, c'est fort probable. Ou pas, parce que ça a l'air vraiment désert, mais franchement, franchement, un très beau truc. C'est une très bonne chose qu'ils aient fait un fake spawn, car, bah, tout simplement, c'est plutôt cool, c'est joli. Puis tu peux le squatter. Ok, donc ouais, on peut le squatter. Donc il a bientôt fini, c'est plutôt cool. De toute façon, moi aussi, j'ai bientôt fini la vidéo. Donc ça va être dans une prochaine vidéo, je pense. Ok, donc tac. Donc là, on a une petite maison. Donc c'est plutôt joli. Enfin, plutôt joli. Faut que j'arrête de dire c'est plutôt joli parce que ça fait vraiment. Enfin, ça fait vraiment un petit effet qui fait. Enfin, ça fait peur, quoi. Donc du coup, voilà. Donc tac. Là, on a des coffres où je suppose qu'il n'y a rien. Ah, il y a des slime pads. Très mature. Hop, voilà. Du coup. Ok. Bon, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus vite comme ça. Hein. Oh! Ouh, ok! C'est pas un black market, mais. Mais ok, c'est cool. What the fuck? Mais en fait. Ah ouais, mais en fait, c'est totalement de la merde, car tout simplement, c'est les mêmes crafts. Du coup, enfin, c'est le même. C'est. Soit celui qui me fait de la fake stop, ou soit il est 25. Ah! Bon! Les gars, bah moi je vais vous laisser. C'était vraiment cool comme vidéo. J'ai bien aimé la tournée, c'était vraiment cool. Et puis voilà, les gars, moi je vais vous laisser. Ah, encore quelqu'un. Oh, quand je vous parlais qu'il fallait qu'il. Oh là là. Ça c'est good. Ça c'est good. Ça c'est good. Oui, ça c'est good. Oh, que 8 palladium, mais oh, ça c'est largement faisable. Oh, ça c'est large, 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 large possible. Bon, franchement, ok, j'atteste. J'atteste.
Bref les gars, moi je vous laisse, c'était Darking, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et demain, vidéo qui sort et ça va être vraiment du lourd. Donc du coup voilà, les gars, moi je vous laisse, c'est Darking, merci d'avoir suivi la vidéo. Bisous.